Salut, c'est Frédéric. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nez Joli. Donc c'est un deuxième haul. Et oui, en fait ma première vidéo leur a plu. Et puis aussi, suite à cette vidéo, j'ai un abonné qui a passé une commande. Donc ils se sont dit, ouais, ça marche bien. Donc Frédéric, tu as le droit à faire une deuxième commande. Donc j'étais trop contente. Donc cette fois-ci, j'ai le droit à 16 euros ou 16 dollars, je sais plus. Donc voilà, je me suis encore une fois fait plaisir et je vais vous montrer ce que j'ai pris tout de suite. Alors, pour commencer, j'ai pris une montre pour Gaëtan. Voilà, donc c'est une montre plutôt fluo, donc c'est ce qu'elle voulait, hein. Et elle est super sympa parce que, vous voyez, ça se referme tout seul en fait. Donc il n'y a pas de fermeture et tout ça. Elle est vraiment bien, elle peut comme ça la mettre facilement, l'enlever facilement, et puis voilà, donc elle adore tout ce qui est fluo, donc voilà, celle-ci était vraiment super sympa. Pour les prix, pour les liens, je vous mettrai tout en barre d'infos, comme d'habitude. Et je vais vous montrer tout de suite une petite vidéo où Gaëtan porte sa montre, et elle est vraiment super contente, ça lui va bien, elle est vraiment très très contente, je suis vraiment satisfaite de cet achat. Ensuite, vous savez que j'adore ça, je me suis acheté un petit crayon kawaii avec un petit nounours au bout. Voilà, donc un petit crayon, en fait c'est un critérium, voilà, avec une mine au bout. Je le trouve super mimi. Ce crayon va finir dans mon pot à crayons sur mon bureau. Alors il faut savoir également que Nez Joli est spécialisé dans tout ce qui est onglerie. Donc il vous propose tout un tas de gadgets, d'autocollants, de tout ce que vous voulez pour les ongles. Et moi j'avais envie de tester parce que j'ai complètement craqué sur cela. Donc c'est une pochette comme ceci et c'est des autocollants à ongles. Voilà. Et comme moi des fois j'ai la flemme de mettre du vernis, donc je trouve ça plutôt sympa d'acheter ça. Ah oui, donc je les ai déjà ouverts. Bon, il y a tout qui tombe. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc à l'intérieur il y en a 16, donc j'ai fait tomber la moitié par terre, c'est pas grave, ça c'est moi. Et donc après vous avez plus qu'à choisir la taille que vous voulez pour votre ongle. Et puis vous le collez sur l'ongle, vous frottez bien pour que ça tienne. Et après vous avez juste à limer l'excédent et ça part, voilà. Donc ça c'était pas cher, hein, c'était dans les 1 euro ou un truc comme ça. Donc, et puis je trouvais que le coloris était très joli, c'est tout à fait mes couleurs, c'est mon style. Donc peut-être pour Noël je me ferai mes ongles comme ça. Et pour ceux que ça intéresse, je mettrai une photo sur Instagram, Facebook et Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je mets souvent des photos. Et comme ça, vous avez un petit peu des nouvelles de mes actualités. Alors, on va continuer dans les montres. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai reçu cette jolie boîte en fait. Voilà. Alors, j'ai tout d'abord dit, ah bah ça doit être la boîte pour ma montre. Et en fait, il y avait plusieurs choses dedans. Donc, j'étais contente parce que, en plus, je ne me souvenais même plus de ce que j'avais commandé parce que ça fait au moins 5 semaines hein, que j'ai commandé. Donc, je vais vous montrer la montre. Je vais vous montrer la montre que j'ai eue. Alors, j'ai eu un mal fou à me décider parce qu'elles étaient vraiment toutes très jolies. Mais j'en voulais une dans ce style-là. Vous voyez, c'est une montre bracelet. Donc le cordon est noir, j'aurais voulu marron mais je crois qu'il n'y en avait plus. Donc il y a différents bracelets de cuir, il y en a un avec des petites perles et également un petit cœur. Et la montre, elle est, vous voyez, plutôt style ancien et j'adore. Je vais vous montrer, je vais vous la montrer portée tout de suite. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est pareil, il y a deux trous pour la fermeture, donc si vous avez un gros poignet ou un petit poignet. Donc voilà ce que ça donne porté, je trouve c'est super sympa, franchement j'adore. Il est quelle heure? What? Il est 6h moins le quart, non c'est pas l'heure du tout. Non mais voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, j'aime bien voir vos avis. Voilà, je suis contente parce que maintenant que j'ai fait ma vidéo, je peux la garder. Ensuite, donc on va rester dans les bijoux, je me suis pris une petite paire de boucles d'oreilles. Alors, elles ont une particularité, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc à la base, ce sont juste de simples perles,
Déjà comme ça, elles sont très jolies, mais si on les retourne, ce sont des clous derrière. Et en fait, je ne sais plus si c'est les clous devant ou les clous derrière, mais je crois plutôt que c'est les clous derrière pour faire un style. Je vais les porter, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là vous avez vos perles et derrière, donc je vais me tourner. Vous avez l'espèce de petit clou et je trouvais que c'était assez sympa. En plus, j'ai pas ce genre de boucle d'oreille, donc voilà. Donc je pense que ça se porte comme ça. Là, j'aime bien. Ça fait joli, c'est très original. Et voilà, donc maintenant on va passer au dernier article. Pareil, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ceci sur le site. Je trouvais que c'était vraiment très très joli. Et puis il y avait des bons avis. Donc c'est une barrette. Voilà, donc c'est une barrette à cheveux. Comme ceci, elle est dorée. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est plutôt légère. Et ça faisait vraiment super joli sur le site. Je crois qu'il y avait des filles qui s'étaient pris en photo avec la barrette dans les cheveux. Je trouvais que c'était vraiment magnifique. Donc pareil, on va essayer ça en direct. Alors par contre, j'ai un petit peu peur de la casser parce que je trouve que j'ai du mal à l'ouvrir. Enfin, à la séparer un petit peu, à l'écarter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà ce que ça donne. C'est sympa. Après, vous pouvez cacher avec... J'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais zoomer un petit peu. Ouais, je trouve que c'est vraiment. Ça fait vraiment un style très sympa pour sortir. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, et eh bien, me voilà parée avec ma montre, mes boucles d'oreilles, ma barrette. Ça fait tout ensemble, ça fait trop. C'est soit la montre, les boucles d'oreilles. En fait, si. C'est soit la barrette, soit les boucles d'oreilles, je trouve. Enfin, ça va pas ensemble, en tout cas. Voilà, ça c'est... Bon, après, c'est mon avis personnel. Vous me direz ça dans les commentaires. Donc voilà, ce haul est terminé. Donc j'en ai eu pour environ 16 euros ou 16 dollars, je ne sais plus. N'hésitez pas à aller faire un tour parce que je trouve qu'ils ont énormément de choix. L'abonné qui a passé commande était très content également. S'il y a un code promo, je vous le mettrai ici et dans la barre d'infos. S'il n'y en a pas, je vais essayer de vous en faire un. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais m'empresser de faire le montage, de vous la mettre en ligne et de voir si avec Né Jolie, je peux encore faire une commande pour vous. Si ça vous plaît, bien sûr. Si ça ne vous plaît pas, je vais m'arrêter là. Et puis voilà, portez-vous bien et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Contre-pied en fait, bah... Oh, c'est pas possible!